les filles et les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va les enfants. Donc là aujourd'hui, n'oubliez pas surtout de liker, partager, commenter et d'activer la petite cloche de malheur qu'il y a en dessous pour ne pas rater les vidéos. Donc les enfants, là c'est un big old chin. Donc comment les jeunes ils disent ça maintenant? Attente réalité. OK? Là, le colis devait faire 100 et quelques euros, moins les 15%, etc., etc., plus mes points. Ça nous est revenu à peu près à 90 euros. Parce qu'il y a un produit d'une collègue et deux produits de Lorraine. Et le reste, c'est à moi. Donc, il y a pas mal de sacs, surtout. Et trois robes, je crois. Et puis, des bricoles. Donc, voilà. On va commencer. Je ne me rappelle pas de tous les prix. Hein. Je vais commencer par le produit de Lorraine. Donc, Lorraine, elle a acheté ceci. Donc, pour les petites jeunes, là, vous savez c'est quoi, ou même pas les jeunes, mais bon, voilà quoi. Ce sont des produits. Si tu ne veux pas mettre de soutif, tu prends ça, tu colles et ça tient les seins en place. Ça veut dire que les seins ne vont pas ni à gauche ni à droite. Surtout, ne pas oublier, ne collez pas ça sur vos mamelons parce que ça arrache. D'accord? Donc, la matière, elle est comme ceci. Voilà, c'est comme ça la matière. Donc, moi, je ne vais pas utiliser ça parce que je ne vais pas être à l'aise avec ça. Mais c'est le truc de Lorraine. Donc, c'est elle qui l'a commandé. Donc, je ne me rappelle plus le prix. Mais je vous mettrai le prix si j'y pense à côté. OK? Je ne me rappelle pas du tout du prix. Ensuite, elle a acheté ça. Ça devait coûter 2 euros et quelques. Elle a dû payer 1,49 € par là. Donc, c'est une brosse. Donc, la qualité, bon, ni plus ni moins. Là, c'est tout fin, tranquille. Et là, voilà. Elle voulait absolument une brosse comme ça. Et je vois qu'il y a sa main là, c'est dur. Hein. Vous savez, donc quand tu retires ça, tu as ça derrière. Donc voilà, 1,49 €. Donc Lorraine a commandé ça. Okay. Sur Shein. OK. Ensuite, on va passer. Le colis, il est comme ceci. On va commencer par ça. Donc ça c'est, moi, pour moi, c'est tout bénéf. C'est top, ça coûtait 2 euros et quelques. Donc, pour tout le monde, c'est valable pour les crépus, pas crépus. Donc, c'est un bonnet en soie. Franchement, les filles, le truc, il est big. Donc, c'est pour les longs cheveux ou même pas longs cheveux aussi. Hein. Donc, regardez. Donc, vous faites ça comme ceci. Et vous êtes là, d'accord? Ça va coûter 2 euros, 3, un truc comme ça, avec les promotions qu'il y avait. Donc, il faut toujours essayer d'aller choper les bons d'achat des youtubeuses. Donc voilà. Donc j'avais déjà commandé, mais celui-là, vu qu'il est big comme jamais, je vais le donner à Mélanie. Et je vais garder le plus petit parce que j'ai moins de cheveux que. Okay? Ensuite, on continue. Là, ça c'est un sac que j'ai commandé avec ma collègue. Donc ça c'est à elle. C'est le bleu. Donc, je vais vous le montrer. Donc, elle est comme ceci. Donc, là, c'est du plastoche. Hein. Ça, c'est tout léger. Il y a un lacet à l'intérieur. Je pense que c'est pour attacher ici. Ça ferme comme ceci. OK. Donc, voilà. Donc, la couleur est sympa. Pour l'été, c'est une belle couleur pour l'été. Voilà. Ça coûtait 6,79 €. D'accord? J'ai mis le truc dedans, je ne l'ai pas perdu. Ça coûte 6,79 €. Si vous avez les bons d'achat, ça peut baisser sur les prix des produits. Mais certains codes ne marchent pas sur les produits qui sont déjà soldés. Hein. Donc, je vous précise ça déjà. Ensuite, ceci que j'ai commandé. Donc, si c'est à racheter les sacs, je vous dis, je ne vais pas forcément les racheter parce que vraiment la qualité, elle n'est pas. C'est pas un truc dur, dur, dur. C'est pas solide. C'est bon juste pour l'été, quoi. J'ai commandé ceci. Donc, je vous mettrai une photo. Le slip me va nickel. Le haut, c'est du M. Il est trop grand pour moi. Il était soldé à 4,03 €. J'ai payé ça. Donc, je le vendrai sous Vinted un petit peu plus cher parce que c'est quand même, j'ai utilisé mes bons de, voilà, mes bons de, il est où le ciseau?
J'ai utilisé mon bon de réduction. Voilà. Et par contre, à l'intérieur, je crois qu'il y a ça qui pique. Les petits fils là de pêche, la crème, je sais pas comment on dit ça en français. Les petits fils transparents, ça me gratte sur le côté. Mais sinon, il est sympa. Dommage que le haut ne me va pas. Donc, je vais voir comment je vais faire. Ou si je fais ça, si ça va rentrer sur moi. Mais ici, c'est trop large. OK? Vous allez voir la photo de toutes les manières. Sinon, je vais la mettre à vendre sur Vinted. Bref, ensuite. Mais je suis quand même déçue parce que je m'attendais à plus serré, quoi. Donc, j'ai commandé cette paire de chaussettes. Elle va coûter 2 euros et quelques, un truc comme ça. Donc, vous avez dit, Gigi, tu vas où avec ça? Oui, je vais le mettre. J'ai des baskets jaunes, je mettrai avec. Parce qu'on vit dans un monde, il faut faire ce que tu as envie de faire. Les enfants, je vous ai toujours dit ça. Faites ce que vous avez envie de faire. Mais ne faites pas sans faire de mal. OK? À partir du moment où vous ne faites pas de mal, vivez votre life. Si ça plaît pas, ben les gens vont passer à côté, ils vont se coucher à côté, voilà. Donc j'ai acheté ceci, ça coûtait 4 euros et quelques en promotion, parce que c'est pas en promotion. 5,99, mais avec les bons, ça m'a coûté moins cher. Donc 3 ceintures, les enfants. Franchement, mais je l'adore. Voilà, ils ont l'air bien grands. Oh my goodness. Donc tu as 3 modèles différents. Donc au moins j'ai 3 ceintures. Je vais pouvoir laisser des ceintures chez Nanou. Je vais voir si. Oh my God, j'ai les reins trop petits. Donc, comme vous voyez, je dois percer des trous. Mais bon, j'ai une machine pour percer des trous, donc ça va. Donc, je ne suis pas déçue. La qualité, ben, ça vaut ces 5 euros. Hein. Tu ne vas pas demander du cuir à 5,99 € 3 paires de ceintures. Donc, voilà, c'est ça mon avis. Hein. Ils sont sympas. Les couleurs sont top. Ensuite, j'ai commandé les brosses magiques, là. Donc, je vais commander une en rose. Bon, je vous montrerai la couleur. Moi, je ne les ai toujours pas testées. Hein. Lorraine a déjà testé une qu'elle a achetée, mais je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Donc, ça, en rose, 2 euros. Ensuite, oula, il y a des trucs qui sont partis en vrille, là. Donc, j'ai ce sac-là. Donc, je ferai vraiment une vidéo pour vous parler des sacs. Hein. Ça, ce sont des sacs que j'ai achetés pour aller travailler et pour mettre mon portable, mes masques. C'est-à-dire que je garde ça toute la journée sur mon boulot parce que mes clés de boulot, j'ai pour vous les portes quand ils sonnent, il faut qu'on avoir les clés sur soi, etc. etc. Prendre des blouses, après, quand tu retrouves ta blouse, tu oublies tes clés, tu oublies tes affaires dans la poche et puis ça finit en compote. On perd tout ce qu'on a déjà, on n'a plus droit à rien du tout. Donc, on met tout dans les sacs et puis voilà. Voilà les girls. Donc, franchement, ça vaut 3 euros. Je vous ferai une vidéo dessus. Donc, sous une note de 10, je donnerai 6. Sous 10, je donnerai 6. Je vous dirai pourquoi dans une autre vidéo, vraiment. Consacré au petit sac. J'ai commandé aussi ce sac-là. C'est folklore. Donc, ce petit sac-là, les filles. Donc, voilà. Ça vaut les 3 euros, puisque ça vaut 3 euros. J'ai dû payer 2 euros et quelques. Il y en a que j'ai payé 1 euro et quelques. Il y a un petit foulard dedans. Et voilà. Donc, je ferai la vidéo pour vous montrer comment ils sont montés, les sacs. OK? Je te le conseille si tu veux l'utiliser comme moi à la journée, mais pas pour aller sortir, aller te balader à perpète, les doigts. Tu en as encore celui-là. Pareil, je l'ai déjà monté, celui-là par contre. Pareil, ça doit être 1 euro et quelques ou 2 euros. Pareil, pour pouvoir sortir. Par contre, ça là, le truc ça en blanc, blanc transparent, trop beau. Que ça en blanc, trop beau. Ça en arc-en-ciel. Trop beau. Il y a le rouge aussi, franchement. Et le petit pot de monnaie, normalement, va à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, je sais pas si mon portable va rentrer dedans. Donc, je sais pas. Je ferai une vidéo aussi. Toujours la même vidéo pour vous parler de ces bribris là. Ensuite. Donc, voilà, celui-là, je suis... Oh my God. Donc, ceci. Donc, quand tu touches le sac, c'est du plastique, hein. Bon, c'est vrai, on va dire, mais Gigi, ça paye ça combien?
Celui-là est plus cher que l'autre. Hein? 7,50 ça. Et il est même revenu à 6 et quelques en retirant mes 15%. Donc voilà. Regardez. Donc c'est en plastique. Donc on va dire où c'est le sac de l'été pour frimer à 6 euros. Donc voilà. Est-ce que tu vas trouver ici un sac de ce style-là, ce prix-là, seulement en promotion? Donc je vais essayer de voir si les promotions de chez Zara, Mango, Stradivarius, les prix, parce que je sais qu'en Portugal, j'avais vu des prix des sacs, mais de meilleure qualité, à 10 euros à peu près. Donc cet été, je vais essayer de retrouver l'équivalent de ça, pas forcément la même couleur, pour voir si je peux trouver ça en promo. Donc voilà les enfants. Donc il y a un truc que je ne vous ai pas encore dit. Chine passe. Il va avoir des frais de moins 20% sur Chine maintenant. Plus 20% sur tous les trucs qui sortent de Chine, à ce qui paraît. OK? Donc, si tu veux commander, commande maintenant. Sinon, après, tiens. Taisé. OK? Taisé. Voici le noir. OK? Donc, le noir, il est là. Donc, je n'ai pas encore monté le petit truc là. Il y a ça pour l'écarter, comme tu veux. Tu mets ça quelque part là. Ça dépend comment tu veux utiliser ta brosse. D'accord? Je dois faire Lorraine tester sur ses cheveux à elle parce que ça, c'est pas fait pour mes cheveux. Donc, j'en ai acheté une pour Mélanie. Donc, ça me fait une, deux, trois. Une pour Mélanie. Et il y aura une que je mettrai dans les concours, mais peut-être sur la chaîne Créole. Voilà, voici un autre sac. Vous allez dire, mais Gigi, mais t'as eu quoi? C'est vrai que quand tu vois les sacs sur le truc, les sacs sont tellement beaux, les photos sont tellement top. Mais quand tu as les choses en main là, t'es mal barré, quoi. OK? Donc, regardez. Là, celui-là, je le trouve plus qualitatif que les autres, déjà. Un peu plus épais, mais il est simple. OK? Il est simple. Voilà. Il ne ferme pas ici. Et il y a ça à l'intérieur aussi. Donc, il faut que je monte tout ça. Je vais les remplir. Donc, ça veut dire c'est un sac à 3 euros juste pour aller frimer cet été. Celui-là, peut-être que j'irai en Guadeloupe avec pour frimer. OK? Juste frimer et puis après, le sac, tu le laisses là-bas. Et puis, bon, voilà. Donc, le sac est déjà vide. Oui, le sac est déjà vide. Donc, on va commencer par les robes. Donc, cette robe-là, je vais vous mettre une photo ici, les enfants, ou ici, ou où tu veux. De cette robe là, parce que là je pourrais pas vous le montrer vraiment. Donc quand tu le vois sur le mannequin, le sac, la robe, elle est super jolie. Quand je l'ai essayé sous moi, elle n'est pas repassée, elle est super jolie aussi, ça me va. Mais c'est un tissu qui est très synthétique, c'est du plastoche très léger. OK, le tissu est très léger. Je le conseille si tu veux l'acheter pour l'été vite fait, parce que de toute manière, vu comment tu t'habilles ici, par contre, la matière, je ne sais pas si en Guadeloupe, ça ne va pas me réchauffer l'effet fesse. Donc, voilà. Mais bon, vous allez voir en photo, elle est très jolie. Donc, elle était quand même à... J'ai payé 7 euros et quelques, mais elle était plus chère vu que j'ai mis mes 15%, ou je ne sais pas quoi dessus. Donc, voilà les enfants. Donc, c'est la matière seulement que je n'aime pas dedans. C'est du synthétique, la matière. Je n'aime pas le fait que la matière soit du synthétique. Donc, voilà. Celui-là, mais... Chine, t'as un problème. Problème. Ça, sur le mannequin. Donc, je mettrai une photo du mannequin pour vous, ici. Et je mettrai une photo de moi, ici. Et j'ai baissé la robe pour qu'elle ne soit pas trop courte sur moi pour la photo. J'ai tiré dessus. La robe, elle est très courte. Alors que sur le mannequin, c'est pas ça que j'avais vu. Et ça, c'est Nanou qui a choisi cette robe-là. Donc, je ne sais pas quoi faire avec. La matière, c'est du tergal. Tous ceux qui connaissent les vêtements des mamies en Guadeloupe avant, c'est du synthétique. Hein. Regardez. C'est dommage. Alors, la matière n'est pas la bonne. Ça glisse un peu, là, la matière. C'est la matière qui va te réchauffer ou que tu vas puer l'été. Mais bon, comme j'ai mis en commentaire, j'ai dit bien aux gens, c'est du synthétique. Alors, quand je te dis c'est du synthétique, ça veut dire que ce n'est pas du coton. Donc, voilà. Il y a une fente ici, petite fente. Oh là, y est. Non, de l'autre côté. Là, il y a une petite fente ici. C'est dommage, la robe, elle est vraiment courte.
Vraiment courte, vraiment courte. Donc, jolie, esthétiquement, mais c'est du synthétique. Elle était à 5 euros aussi et quelques. Voilà. Donc, celui-là. Ah, il manque la grande robe. Il manque une robe. Donc, là, celui-là. Là, je suis satisfaite. Pourquoi? Parce que je m'attendais à ce style de tissu. C'est-à-dire, ça ressemble à du satin. Ce n'est pas du satin à 100% parce que je préfère cette matière-là que du satin à 100% parce que le satin à 100%, c'est limitant. Donc là, j'adore la matière. La robe, regardez, n'est pas trop courte du tout. Et je peux les mettre avec les ceintures ici. Donc si j'ai des chaussures blanches, je mettrai le blanc. Si je mets des chaussures comme ça, je mettrai gna. OK? Donc voilà, je suis contente quand même pour cette robe-là. Elle n'est pas trop serrée du tout, elle est large. Tu peux le mettre sans ceinture ou avec ceinture. Et tu as une queue derrière. Devant un peu plus court et derrière plus longue. Donc le prix, je ne me rappelle pas. Donc là, je ne suis pas déçue pour ce produit-là. Ensuite, il me manque, ouais, ça. Là, c'est mon produit chouchou. Il me manque un sac. Hein. Ça, c'est vraiment mon produit chouchou et je suis contente. Enfin, je regrette. J'ai pas voulu risquer. Donc, j'ai pris noir. Mais ta rose bonbon, ta beige, ta. Il n'y a pas blanc. Ta écru, ta marronné, la marron. Ta vert, mais le vert. Le vert, c'est un gâteau. Mais je regrette. J'ai voulu prendre quand même quelque chose qui va aller avec tout. Le vert, il est de cette couleur-là. Franchement, il a l'air bien. Donc, le sac valait 19 euros. Je me suis dit, c'est la première fois que je vais mettre tout ça d'argent dans un truc sushi. Dans un truc. Mais des fois, tu te dis, les enfants, pourquoi pas, au lieu d'acheter tous les sacs à la con que j'ai acheté là, pourquoi j'ai pas acheté deux sacs de qualitatif? Qualité. Réfléchissez bien quand vous faites des achats. Là, cette fois-ci, là, le colis, bon, c'est bof. Mais c'est vraiment bof. Et heureusement qu'il y a ça parce que j'aurais pu mieux. Donc, c'est ce sac-là. Donc, il est gros et ça vaut le coup. Il est vraiment très bien, très classe, très épais. Il sent pas mauvais du tout. Donc, regardez. Regardez derrière. Franchement, il est bien épais. Je te dis, j'aurais dû prendre les autres couleurs, mais c'est pas grave. Donc, j'ai déjà un, ça suffit, je ne vais pas prendre 50. Mais le vert m'aurait plu, quand même. Le vert m'aurait plu. Le vert, le beige. Il est vraiment grand. Donc, vous voyez la grandeur du sac au ras de mon bras pour vous montrer la grandeur du sac. Donc, voilà. Donc, là, je suis contente. Donc, vous allez me dire en commentaire ce que vous, vous en pensez. Franchement, vous voyez l'épaisseur, oui, il vaut ses 19 euros. Regardez bien comment il est. Il vaut vraiment ses 19 euros. Donc, il est beau. On ne va pas le repasser, hein, on va le brûler. Donc, voilà. À l'intérieur, je mettrai quand même des petites trousses qui se ferment parce que je n'aime pas avoir mes sacs qui ne se ferment pas. Donc, sous la photo, il ne te montre pas si je ne me trompe pas. Donc, je mettrai ici une trousse. Comme ça, j'aurai une trousse fermée pour mettre les papiers les plus importants. Et là, je mettrai les boomerangs, etc., etc. Donc, voilà. C'est surtout ça qu'il faut faire. Donc, voilà les enfants. Donc, je vais chercher la robe, l'autre robe pour vous. Et je reviens tout à l'heure. Donc, voilà la robe, les enfants. Donc, l'autre robe. Donc, j'avais commandé cette robe-là avec des épaulettes. La robe est transparente. Hein. Regardez bien. Pas si vous arrivez à voir, voilà, regardez, elle est transparente et c'est pas parce que je tire dessus, hein. Regardez, elle est où la lumière, regardez, elle est transparente, mais quand je le mets sur moi, ça le fait, ok, elle est plissée comme ça partout, elle est vraiment longue et au niveau des fesses, mais moi ça tombe plus haut que mes fesses, il y a une sorte de plissure ici pour ceux qui veulent avoir des grosses fesses, mais moi ça tombe au niveau de là à moi. Mais ça le fait, moi, c'est super bien. Je vous ai mis la photo, je vous mettrai la photo du moins. Donc voilà les enfants. Et ça, c'était combien? Je ne sais pas, dans les 12 euros, un truc comme ça. Donc voilà. Donc j'ai deux autres colis Chine qui vont venir, mais c'est des petites commandes que j'ai fait parce que je voulais avoir les frais gratuits.
Il y en a un, j'ai commandé deux combinaisons shorts et une paire de lunettes. J'ai payé que 13 euros sur cette commande-là qui va arriver et la livraison gratuite. Et la livraison, c'était 1,99 €. Tout dépend de la quantité que tu peux commander. Ensuite, j'ai commandé une autre commande encore, mais de 40 euros. Donc, j'ai eu tous les mois dessus. Donc, ça s'est descendu à 40 euros. Et dedans, j'ai des robes, maillot de bain, lunettes. J'ai des maillots de bain, je ne me rappelle plus. Enfin, bref. Mais là, avec Bibi, on va commander des maillots de bain. Mais je ne vais pas commander beaucoup parce que j'ai pas envie d'être déçue. Et après, Chine, bye. J'ai eu beaucoup de points. C'est-à-dire, n'oubliez pas les enfants. Photographiez vos produits. Si vous ne voulez pas photographier dessus, sur vous, ce n'est pas grave. Photographiez votre produit sur votre lit. Même dans le sachet, vous pouvez le commander, le photographier. Les gens le font. Mais bref, ça ne sert à rien de photographier dans le sachet alors que les gens ne voient pas le produit, quoi. C'est tout, c'est de l'arnaque. Moi, je ne mets pas de pouce dessus pour les gens. Donc moi, je mets un pouce quand je regarde les commentaires. Mais il faut pas mentir dans les commentaires. Il faut quand même expliquer le pouce, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. D'accord? Donc moi, je dis déjà, ça vaut les 3 euros. Ça veut dire que ça veut dire. Ça veut dire que ça vaut les 3 euros. Donc ça ne veut pas plus que 3 euros, quoi. Ou tu dis c'est du synthétique, que les gens sachent quand même c'est des vêtements synthétiques. Donc là, c'est pas ça, c'est bien la matière, j'aime bien. C'est pas du coton, mais il y a du coton dedans. Coton très élastique. Voilà. C'est pas désagréable. J'aime bien la matière. Je ne suis pas déçue pour cette robe-là. Voilà, il faut vraiment dire les choses. Là, j'ai commenté toutes les photos, toutes les commandes que j'ai eues, mais qui datent de Jérusalem. Je les ai commentées, j'ai fait la photo, j'ai mis sur Internet, sous Shein, et j'ai récolté, pour l'instant, je suis à 15 euros. Là, j'ai eu des points qui m'ont donné 15 euros. Donc, quand tu commentes, tu as 10 points. Quand tu mets une photo, tu as 30 points. Donc, ça fait quand même du caillasse. D'accord? Il faut vraiment profiter. Si tu peux profiter de ça et tu cliques en bas de ta commande et ça te rajoute ça, tu dis que tu veux utiliser tes points et c'est de l'argent qui vient à la place. Tous les soirs aussi, grâce à Lady Cosette, elle disait qu'elle allait tous les jours cliquer sur un lien, enfin sur un lien, sur un truc, et ça te donne des points, des petits 1 point, 2 points, mais c'est de l'argent, c'est du caillasse, c'est de flouze. Et je l'ai fait, ça m'a donné pas mal de points aussi, mais il faut y penser tous les jours. Donc quand tu ouvres ton portable, je vais sur Shein, je clique, et je me barre. Moi, je l'ai fait à minuit, et comme ça, c'est mieux. Donc là, voilà les enfants, je ne vais pas parler trop, blablater, chipoter, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'activer la petite cloche. Ok les enfants, bye. Et la Guadeloupe, j'arrive. Et la Guadeloupe, j'arrive. La Guadeloupe, j'arrive. Rive, 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 rive. Gros bisous.